Hey yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Donjon de Nahulbeuk. Ou du maître du Donjon de Nahulbeuk, je crois. Encore une fois, toutes mes excuses pour cette voix absolument cata. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Écoutez, ça ne change rien. Voyons, on en était où? Ah, on n'avait pas accueilli une... Je ne sais plus, une nouvelle race, là, une nouvelle personne, une assassin pour faire je sais pas quoi. J'ai analysé les raisons de votre échec. En un mot, vos troupes sont minables. Yes, merci, on n'est pas du tout au courant, mais elles sont pas chères. Négatif, je dis ce qu'on vient respectueusement. Non, mais là, tu n'es pas dans le vrai, mon ami. Disons qu'ils ne savent que défendre les donjons. Pour attaquer, il faut des troupes d'élite, spécialistes de l'infiltration, qui savent conjuguer brutalité et subtilité. Des troupes d'élite pour attaquer d'autres donjons? Mais c'est un peu comme si on formait des aventuriers, non? C'est pas con, ça. Affirmatif. Groupe de pillage des places fortes. Cela répond à la définition du manuel de combat. Non. Car la gloire et le salut du monde ne nous intéressent pas. Nous allons former des agresseurs sadiques et professionnels pour humilier nos voisins et nous bourrer les poches. Nous allons faire le mal, mais le faire bien. C'est vraiment... Franchement, c'est vraiment bien écrit. Nous allons faire le mal, mais le faire bien. C'est quand même magique de pouvoir lier ces deux mots comme ça aussi facilement. Oh putain. J'aime cette approche des choses. Au travail, tous les trois. Et en bonne entente. Les anglais, allez, voilà. Construire une salle d'entraînement. Entraîner des soldats. Écoute... Pourquoi n'est-ce une idée de foutre la salle d'entraînement ici, vraiment à l'entrée du bordel? Comme ça, au moins, s'il y a un problème... Eh ben, s'il y a un problème... Ah ben, nos troupes sont déjà... Ah, mais c'est pour ça que ça a déconné... Allez, une sacrée salle d'entraînement, putain. Oh, celle n'a pas de mur. Comment ça, elle n'a pas de mur, mon... Comment ça, moi? Bah si, un mur en fait. Voilà. Une petite porte. À mettre là la porte. Hop. Une petite porte. Je l'ai mis la porte, ouais. C'est quoi ça? Un garde se battant au corps à corps s'y entraîne pour y gagner de l'expérience. Un garde combattant à distance s'y entraîne pour gagner de l'expérience. Ok. J'ai combien de gardes? J'en ai 17. 5. Oh, oh putain, c'est cher. 6, 7. Ouais, c'est plus cher que ce que je pensais. Oh la vache! Oh, c'est gros, oh, ça a pris une taille cette merde. 1. Pourquoi je peux pas là? J'ai une porte. Il a l'air d'avoir une porte, non? Oh merde, il y a une porte. Ah merde, oh c'est con ça. Ok, j'en mettrai un dernier, je vais sûrement retirer la porte qui est là, qui me sert pas à grand chose en soi. J'ai vraiment foutu une porte ici. Ou alors c'est moi qui suis milieu. Oh, on verra, on verra. Je peux en mettre deux autres là. Ok, oh les finances. Oh les finances, oh. En plus je crois que niveau finance je suis vraiment pas bon en vrai. Ça va être un game over au niveau du fric. Ça se peut, oups. Ça se peut bien, comptabilité. Prime d'incursion, ok, non, je suis encore à peu près correct même sur la prime d'incursion. Après je gagne pas des masses. Hein. Ah il y a bien une porte ici. Hein. Je vais essayer de retirer cette foutue porte, mais en vrai je sais même pas si je peux la... Ah c'est con ça. Attends... Comment je fais? Bonjour, je voudrais retirer une porte.
Bon bah bonjour, je ne peux pas retirer de porte. Ah c'est con. Je vais essayer de retirer le mur. Merde, on va peut-être pas dupliquer, ouais. Attends, supprimer. Ah, je peux pas supprimer la porte. Ah merde, ah c'est con ça. Et si je supprime le mur là? L'entraînement n'est jamais du temps perdu. Je maîtrise la préparation organique des troupes et vous aurez le contrôle opérationnel des règles. C'est une enclume dans l'atelier. Par ailleurs, avec vos tempes grisonnantes, je trouve que vous êtes si... Négatif. Je suis immunisé à tous les artifices de séduction des assassins Drow. Certification d'opérateur commando en milieu elfique souterrain, 3e niveau. Entraînez déjà vos éclopés et on en reparlera. Tiens, bien fait. Dégage, femelle. Ça laissera pas avoir par ça. Oh merde. Oh putain, mais il est grand le... Oh putain, on va devoir agrandir un peu cette salle. Oh, ça m'arrange pas, ça. Ça m'arrange pas parce que honnêtement, je sais même pas si j'ai les thunes. Ah, ça a bugué. Ah, ok, c'est juste ça. Ok. oui, alors quoi? Hein? C'est encore bugué, ça c'est terrible ça. Allez, la porte. Non, la porte. C'est très intuitif. Merde. Bon, là c'est ma faute. Hop. Ok. Allez, jusque là. Ok, très bien. Ensuite, je veux une porte ici et une porte ici, s'il vous plaît. Ok, allez. Recruter un artisan, on a accumulé 10 armements. Ok, d'accord. Ouais. Et je peux rien avoir une petite incursion, s'il vous plaît. Ça me besoin d'argent. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dommage. N'empêche, là, ils sont en train de s'entraîner, on est d'accord. Est-ce qu'il y a besoin de nettoyer ici? On pourrait nettoyer les flèches. Oh putain, et ça s'entraîne dur, hein. Ça s'entraîne dur. Voilà, ils ont aimé, hein, les... Est-ce que je vais devoir en rajouter? Et je suis employé pour aider. Solution à tout. Mais j'ai pas trop les moyens non plus. Et là, je pourrais peut-être pas placer l'enclume, le faire le recrutement, etc. Allez, on va nettoyer. Quoique, c'est quoi qui... Non, c'est des gobelins. Non, les gobelins, ils ont pas besoin de propreté. On est d'accord. Allez, entre le marteau et l'enclume. Aiguise donc ta plume. Dépôt. Oui, c'est pas plus con de faire un petit dépôt. Allez, on a construit ce qui était demandé, là je vais faire une petite modif, et je vais faire quelques autres mannequins vu qu'apparemment... Ils ont l'air particulièrement prisés mes mannequins. Ok, on a un entrepôt... Ah, on n'a pas eu le son de Revax. Gestion du donjon. Donc on peut stocker des trucs. Et on peut vendre du stock. On peut pas mettre une quantité de vente automatique. Ah si, vente automatique. Ah, là on va au magasin. Je les essaye pas ce que... Bon. On verra. Ah mais ça augmente le niveau des gardes recrutés, donc ça va augmenter la dépense. Pas terrible, pas terrible. J'ai besoin d'un forgeron. Artisan d'un... Comment ça il est payant l'artisan d'un là? Oh merde. Nickeliste, cours sur pas de tête de poche. Bref, chiant. Bon bah, devoir recruter un nain payant quoi, c'est dingue. Payer pour recruter des nains. Non plus un radis, ouais bah oui, merci, je sais. Atelier. Entrepôt d'outils.
Ouais, ça peut valoir le coup, hein. J'ai un entrepôt d'outils, ça c'est quoi ça? Enclume, ouais. On va faire un petit entrepôt d'outils, mais je peux pas le mettre là. Ouais, c'est quoi? Ah oui. Ah ouais, on a 30 dollars. On va leur acheter là les mecs à la taverne, là, va falloir boire un coup là. Accumuler 10 armements, bon, on va accélérer un petit peu le temps. Hein. Bon, nourrir son elfe, c'est déjà ça. Ça nourrit son elfe. Marins. Ok, bon, par contre, il a l'air de... Il a l'air d'en créer assez facilement des armes. Partir en stocker les mains, ok. Stock et vente. Donc, armement. On s'en produit pas de mains, il peut être rendu compte de l'or. Sans cumuler pour activer du bonus. Ah, ok. Possible de configurer un pourcentage de ressources à revendre automatiquement. Ah! Pour l'instant, ouais, on peut partir sur un 90%, hein. On va tout vendre, hein. Là, c'est juste qu'on a besoin de thunes, là, quoi. Payer les salaires. Je suis pas sûr qu'ils veuillent travailler gratuitement, c'est vraiment des rats, quand même. Je rigole, bien évidemment. Ah, j'ai pas le droit d'avoir accès à ma comptabilité. Ah bah la comptabilité est cassée. Ah c'est con ça. Ouais, c'est que de la déco, on s'en fiche. Avoir 3 grades de... 3 gardes de grade 2. Avoir 3... Oh putain. Je suis sûr ils l'ont fait exprès parce que ça fait bégayer. Avoir 3 gardes grade 2. Nous pourrons maintenant stocker des outils. Je vais commander des robinets. Bon, nous n'avons pas de canalisation, mais qu'importe. Et on pourra aussi avoir d'autres ressources utiles. Qu'est-ce que tu veux faire avec des robinets, toi? C'est quoi ton délire? Consommer pour réparer des pièges... Mais je m'en fous. Ouais, je vais mettre 90% histoire d'en avoir, mais en fait je m'en fous parce que j'en ai pas. Pollution à DK de 8. 3. La vente c'est 3 pièces par truc. Ok. Et ça, production à la DK de 18. Ah, quand même. Là, j'ai pas vu le prix de vente. Ouais. 13. Oh la vache. Ouais, ça vaut le coup ça. Ça, c'est toujours bugué. Hein. On va avoir 3 gardes de rang 2. Oh la vache. On peut pas voir l'expérience. Maladroit. Je m'ennuie. Bah, comment ça tu t'ennuies? T'es en train d'être actif là. On va manger un troll, bah oui. Enfin non, mais oui. Un pays c'est 4 jours, c'est 20 jours. Non mais ils vont me dire, oh, on ne trouve pas les chiottes, y'en a pas assez. On ne trouve pas les douches, y'en a pas assez. C'est vraiment... Oh là là, putain, c'est bien un elfe ça. Je suis tout propre. Faut manger un troll. Bah non, t'es un elfe, donc tu es végétarien, donc tu mangerais pas de troll. Faut pas déconner. Hein. On va voir, si on regarde les stocks de repas là, le niveau des légumes, on est bien partout là. On va peut-être devoir recruter un petit elfe un jour, on verra, mais. En vrai de vrai. Ça a l'air d'aller. Je me pose quand même une question de faire une porte là, là. Ce serait peut-être plus simple que je fasse tout le tour. Peut-être pour ça qu'ils ont des problèmes avec les chiottes, ils passent un moment à se déplacer et c'était peut-être pas la bonne idée quoi. Hop, allez, on va déplacer tout ça. Voilà. Et
est là. Modifier la salle, je vais pouvoir faire une petite porte. Oui. Ah, ouais. Donc on arrive à remettre un peu d'or de côté, ça c'est cool. C'est bien, ils arrivent à passer à travers le mur. Bon, voilà, là t'as les chiottes, elles sont vraiment juste à côté, mon ami. Hein. Mais toi t'as faim, non mais c'est dingue, mais tu manges quoi toi? Humain. Je comprends pas pourquoi ils ont du mal à manger alors que t'as... Je veux dire, t'as de la place quoi, c'est... J'ai quand même pas mis que des tables de nains, on est d'accord. Pardon. Ah non, pas de problème. J'ai oublié, c'est la cantine, j'ai oublié un truc ou... Non, je pense pas avoir oublié quelque chose. Hein. Là, de la place... Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent tous là-dedans, là? C'est énorme le nombre de péons qu'il y a dans ce machin, là. Il y a du monde dans cette taverne, mais personne sur les tables. Et table pour nains, il y a une table pour nains. J'ai pas fait de table pour nains, là. Ah merde, j'ai pas fait de table pour Naboo. Oh là là. Ouais, votre table est Naboo. On va faire une autre, allez, voilà. On va faire quelques tables là, parce que bon, ben, j'ai pas trop ce qui win, mais... Non, moi, normalement, ça devrait être bon. Des réserves de bouffe, ça réserve bien. Hein? Baptisant démission. C'est un gobelin là qui a démissionné. Dégage le gobelin, hein. Si t'es pas content, tu... c'est pareil. Hein. Je vais quand même en recruter un, mais... Parce que j'ai deux machins, là. J'ai deux ateliers, il faut bien. Il est motivé. Le bonheur, c'est bon. Bonheur, c'est bon. Oula. Il est où, ma paye? Comment ça, il est où, ta paye? Je commence à fatiguer. Bah, va dormir. Il faut pas des lits de gobelins, quand même. Le reste, les gars. Y'a des lits pour gobelins maintenant. Tu veux louper un truc. Non. Des lits pour les gobelins. Enfin, je veux dire. Au moins que vous dormiez à un autre endroit. Mais bah, putain, le dortoir est 5 étoiles, quoi, en plus. J'ai quand même oublié un truc, quoi. Le gobelin. Attends son salaire. Bah lui il va démissionner. T'as payé, j'en sais rien. VIP, c'est quoi ça? Ah oui. Je crois qu'il a démissionné l'autre là, c'est... Salaire non reçu. C'est bizarre. Bon, on va recruter un, hein. J'ai pas trop le choix, hein. Artisan gobelin. Alors 3 grades... 3 putain, 3 gardes de grand... 3 de grade 3. Voyons voir, les gardes... non, c'est pas là. L'arbre 2. Ouais. Alors c'est pas que je veux pas. Oh, on est même passé donjon pourri. Nickel. Ah, te laver, hein, écoute, c'est pas bon. Mais je ne sais pas du tout comment les faire XP. Je ne vois pas en fait leur barre d'XP.
Ouais, super. Garde-la en plus. Extérieur, avec un... Attends, ça fait combien de temps qu'ils s'entraînent? Attends, on va laisser un peu de temps d'entraînement, on va voir ce que ça va faire. Ah, ils sont tous pris les machins. Ah non, il y en a un qui se libère. Ils reviennent, hein. Alerte, hein. Ah, on est revenu, un... Prochaine des 4 prévues, pareil, vous, ils viennent s'accaparer de vos trésors. Ah, celle du trésor, ok. Bah écoute, peut-être que ça donnera de l'expérience à mes troupes, je sais pas. Ils sont tellement passionnés par l'entraînement qu'ils oublient d'aller bouffer, qu'ils oublient d'aller chier, dormir. C'est dingue ça quand même. Oh putain, j'ai un garde qui a démissionné. Mais ça me prévient même pas. Enfin, je veux dire, les gardes. En fait, ils s'oublient, mais c'est pas ma faute. Enfin, là, pour le coup. Je commence à fatiguer. Bah, va dormir. Enfin, je sais pas. T'es quoi, t'as un orc? Non, me dis pas qu'il y a des. Non. Lit utilisable par les nains, les trolls, les vampires. Non, inutilisable par les nains, les trolls, les vampires. Bah, un orc, t'as pas les tuer. Je comprends pas. Hein. À moins que ça se. Ou alors. C'est genre parce que la salle est propre. Et comme la salle est propre. Ils veulent peut-être pas aller se reposer. Je dis ça. Oh, il y a un gobelin qui est là. Ah merde. Parce que lui était en train de ronfler. Peut-être. On sait rien. Bon, j'ai un garde qui est de niveau 2. Qui es-tu? Mais c'est un garde gobelin. Pourquoi pas? Ah oui, mais je les recrute de grade 2, non, il n'y a pas un délire du genre. Orc prêt à faire des trucs. Ça aurait pas été mieux, bah, t'as de la viande, hein. Et après il est content, non? On est où là? On leur stock et vente. J'en ai deux. Yes. Bon. Vous là, je... accélérer, on est censé avoir un petit groupe d'aventuriers venant nous embêter. Regarde, lui il est en train de se plaindre, putain je pue, j'ai pas de bouche machin. C'est parce qu'il est dans un endroit propre. Il aime pas les endroits propres.
J'ai une question, est-ce qu'il faut que je divise tout en deux avec un endroit propre, un endroit sale? Par exemple, un dortoir propre, un dortoir sale, est-ce que... Que ça joue? Ouais, pour la salle de bain, hein. Ça, c'est une bonne question. Ici, je pense, allez, tu sais quoi. On va faire. Ça va me coûter encore du fric, ça. Ouais, allez, avec une petite porte là. Ah, bah non. Non. Devoir agrandir. Ah, ça fait limite, hein. Ah, ça m'énerve, on peut pas mettre une porte dessus, on va quand même carrément la mettre, non? Même pas? Une, deux, trois cases, putain c'est quatre. Trois cases, oh merde. Bon, je vais le faire comme ça. Hein. Avec une petite porte ici. On va mettre... des lits là tout long, un, deux, trois, quatre lits. Et 4 coffres. On va voir ce que ça donne. Ah, ça y est. Là, un petit... Oh, ouais, un petit troll prime 100. Oh, il coûte moins cher, cela. La clique des sauvages à la hache. Une sac à bras du trésor. Ils vont tomber sur les troupes en entraînement. Elle est où, mon arme pool? J'ai plus mon arme pool. Oh merde. J'ai plus mon... Ma poule d'alarme. C'est quand même balou ça. Bon, au moins j'ai des gardes qui vont gagner de l'expérience. Oh, putain, lui il est pas bien lui. Il est connu mieux en santé. Hein. Bon. J'ai gagné un peu d'or. Lui il est pas bien en santé. Ah si, bah tiens, il a gagné un niveau. Il a guéri. Ah non, c'était lui. Ah lui là. Ok. Là, ça donne quoi? Voilà. Ici, on maintient pas propre. Bon, bah, on va voir ce que ça fait. Reçu, fort et clair. La force est entraînée. Vous avez le contrôle opérationnel. Des malades. Je suis cerné par des malades. Hé, une petite prune pour faire passer ça? Grave. Rapporter un raid. Vouloir du mal à Wismal. Orc, gobelin et troll. Gobelin. 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 Gobelin, pourquoi pas. Hein. On n'a pas un orc qui traîne là-dedans, là.
Comme ils sont tous niveau 1. Bouh. Attends, je suis à 72% là. Dégage. Si je prends un dernier... Oh merde. Imaginons que je prends un dernier rang de 74. Ah ouais, non mais... Pas terrible. Elf. On va essayer, hein. On va voir ce que ça donne. Combien 70 des poussières, 74% de probabilité qu'on de réussite. On était pareil, à peu près pareil tout à l'heure. Yes. Donc j'ai 30, ok, bon bah je suis sur un 15% de probabilité d'échec pour l'instant. C'est pas grave. Hein. On va les renvoyer. Hein. Donc j'ai pas le choix. Ils ont perdu le niveau? Non. Ah, ok. Ah ouais, d'accord, je peux pas aller... Là, on voit ça, de toute façon. 11%. À moins qu'il faille un 100% pour réussir. Parce que ça donne... Garde démissionne. Oh là, ils sont... Mais ils oublient d'aller pisser, c'est pas ma faute au bout d'un moment. Enfin, quand ils sont cons, ils sont cons, quoi. Littéralement, ils oublient d'aller pisser, hein. C'est même pas une blague, hein. Ah, y'en a un qui est pas trop... bonheur. Où sont les latrines? Tiens, tu vois? Comment ça va-t-il? Ils oublient d'aller pisser, ils oublient d'aller dormir, hein. Normalement. Mais... Ah, je peux pas leur... En plus, je peux même pas leur dire... je peux même pas les forcer d'aller pisser. C'est au moins... Là, je pouvais les forcer à épicer. Bon. Même pas. Là vraiment. Mais en chiotte, il y a tout ce qu'il faut. En douche. Wow, au pire, je pourrais en rajouter une, mais bon. Ça reste des gobelins, ça. Ah, non, c'est pas des gobelins, ça. Est-ce qu'il y en a qui dorment dans cette nouvelle chambre? Au moins que je l'ai pas prise pour rien, quoi. Ah, c'est que les nains. Non, des sbires, ok. Y'a personne qui va dormir, quoi. Y'en a plein qui ont envie d'aller dormir. Ah, moi y'a pas comprendre. C'est toujours bugué ça. Ouais. Bon. La réussite ou échec? Est-ce qu'on est sur les très faibles pourcentages de probabilité de. Avoir 3 échecs d'affilée. Et on leur passe un savon. Nul, on peut aller se faire shampooiner. Voilà, on gagne en réputation, on gagne un peu d'or. Oh, c'est pourri là. Attends, je gagne en réputation. Oh, on a ça. Ah, qui se termine. Il y a déjà un autre qui s'annonce. Ah bon, allez, doucement. Nos troupes progressent et la réputation du donjon augmente. Votre nom fait trembler les habitants des environs. C'est bien ça. Affirmatif. On démoule du cloporte par boîte de 12 et on rase les donjons de près. Je note en effet une modification positive des indicateurs associés à la performance de vos processus de conduite des opérations extérieures avec une corrélation dans l'évolution de vos scores de réputation. Oui. Je trouve quand même que les butins que nous ramenons sont un peu minables. Merci. Et faire trembler les fabricants de boudins de Val Tordu n'a rien de très glorieux. Donjons et Despotes publient des palmarès bien plus grandioses. Je peux monter des raids plus... stimulants. Mais les cibles sont plus éloignées. La solution, c'est l'espionnage. Non, donc on a un assassin qui ne sert à rien et on va devoir recruter un espion. Affirmatif. Développer le retour d'expérience et le renseignement par stockage d'informations. Ok. Avoir un espion. Accumuler 0 sur 50 informations dans une armoire secrète à secret. Des espions grâce à un espion. Oh la vache. Ok.
Il me faut quoi? Salle des gardes. Ok, salle des gardes. Au moins, j'ai besoin de nouvelles salles. Elle va bientôt être petite, celle-là. Hein. Une armoire à secret. Hein. Qu'est-ce que tu veux? On va foutre là, normalement dans le coin, le machin. On a une armoire à secret, qu'est-ce que ça nous dit? Stock et vente. Ah. Ouais, on peut pas vendre de suite. Hein. Portée des raids est augmentée. Ok. Non, mais pour l'instant. Ah, par contre, on peut vendre l'information. Ok, ça c'est pas mal. Recruter. Bogustine Zolus. Masochiste. Oh merde. Utilise des géoles. Comme salle de pause. Bah, j'ai pas de géole. C'est ballot ça. J'ai recruté un espion. Sournoiserie, fourberie, cruauté, malhonnêteté et une pointe de sadisme. La recette est connue, mais l'équilibre est délicat. Toute cette malveillance me met en joie. Orloff au rapport. Inquiétude quant à la fidélité de la troupe et risque de sédition apportée par les forces spéciales. Bon, bah, on va l'avertir. Ils libéreront la cellule si on en avait besoin quand ils ont terminé leur truc. L'important, c'est de bien les tenir en laisse et d'équilibrer récompense et punition. J'ai pas de cellule. C'est quand même ballot. Prison. On va rester dans la campagne. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais. Oh, donjon pourri à un bateau passé au rang 6, je suppose. Alors, qui va dormir là? Mais si tu me dis que c'est des humains qui... Ah, putain, non. Pas cliquer sur... Ah, c'est un humain, allez. Un humain. Ouais. Un humain. Ah, un humain, lui, il a tout compris. Et un orc. Bon, au moins, il y a deux salles, deux propres. Ça normalement c'est fait pour être propre. Le propreté il est pas génial. Hein. Ça il est fait pour être sale. Je devrais pas recruter encore des elfes de ménage. Hein. Recruter deux. Ah j'ai débloqué un niveau. Ah ouais. Mission, salaire non reçu. Mais c'est quoi ce délire hein, le... Ah, je sais. C'est que là. Oh putain. Ok. Non, mais c'est bon, je comprends. Ah ouais, c'est bon, je comprends. Là ils sont payés par les nains qui sont là, mais les nains ils sont le matin, pas trop vite le soir quoi. Et vu que les nains ils sont en majorité ici, est-ce que je ferais pas les infrastructures nains dans le deuxième niveau histoire qu'ils aillent moins loin quoi, genre une sorte de mini atelier, une mini salle d'eau juste pour eux quoi, à voir. Bon là, tout ça, ça sera la... la banque, hein, faut pas déconner, mais... ah oui, et c'est vrai qu'il fallait que je fasse un système de poule alarme, là. Cela, ça va... Ah ouais, je peux pas. Ah, cool. Bon, ben, c'est pas grave. Mais regarde-moi ça, il s'oublie, je couche mon lit, genre... Bon, ça va tuer. Après ça va, là, niveau bonheur. Bon, ok, au niveau du salaire, j'ai compris. On creuse le jour, on boit la nuit. Creusez le jour, vous buvez le jour, vous buvez également la nuit. C'était des nains après tout, faut pas déconner quoi. Bon. Oh putain, c'est cher. Bon, 200.
300, 400, 500. Je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 pour le prix de 4. Une petite réduction dans le lot. Bon, au moins. Je pense qu'on aura un nombre de guichets satisfaisant. Par contre, c'est dingue le nombre de nains qu'il faut, bordel. Je vais recruter deux des nains. Recruter deux nabos, là, c'est dingue. Quelle idée. Et recruter. Et recruter encore. Saloperie de nabo. Qu'est-ce que tu veux, toi ? On s'est fatigué, ouais. Voilà. Un mini dortoir de nabo ici. C'est un peu un pléonasme, un mini dortoir de nabo, mais... avec la porte qui va bien. Allez, lit pour l'un. Hop. 1, 2, 3, 2, 3. Avec. Avec des coffres, parce que bon, les nains, sans les coffres, ils sont un peu perdus. Voilà, et on va faire des... Ah non, non, c'est pas ça que je voulais faire, on va faire une salle d'eau là. Putain, ah oui non, je me disais, attends, il y a déjà tant de monde là qui va là, c'est bizarre quand même. Une salle d'eau. Voilà, avec quelques latrines, 1, 2... ...4... ...5... Tout le monde devrait être payé. Ils sont où les nabos? 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. Bon. Tout le monde devrait recevoir sa paye. Oh, putain, tout ça là? Quelqu'un m'appelle? La vache. Reparçu mon salaire. On traîne. Bon, on dirait qu'il a reçu au moins son salaire. Mon salaire du jubilé, un peu plus de péons. Il y a des gens qui viennent prendre leur douche. Puis-je faire quelque chose ? Des yeux. Est-ce que les nains ont besoin d'être propres ? Bah, ils ont la minimum. Ils font le minimum, je crois. Ah non, quand même. Ils ont genre. Ils se lavent une fois par mois, quoi, un truc comme ça, les nains, donc ils sont pas très très sales. Si on garde leur... Ouais. 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 Ouais, bon. Ils restent à peu près propres, donc, hop. Et hop. C'est les elfes qui nettoient les trucs des nains. On aura tout vu. Au niveau des divertissements... J'ai du travail. Se lave. Ok. Non, parce que là, pendant un moment, j'ai eu un peu peur. Bon, on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de vous retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiago.